Hey, what's up les potes, c'est Super Lobby-Man. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo GTA 5 Online. Excusez-moi de bugger. Voilà, parce que en fait je rage depuis tout à l'heure pour rien. Bref, on se retrouve pour un glitch qui tout simplement le glitch sert à wallbrush le bâtiment, en même temps être immortel et invisible. Donc voilà. Aussi je vais vous parler d'un pote à moi qui a créé sa chaîne YouTube il n'y a pas quelque temps. J'ai mis en description dans ma dernière vidéo sur l'argent limité. Il s'appelle comment tu t'appelles? Airtas Gaming. Airtas Gaming, putain, faut que je m'habitue de ce nom. Airtas Gaming, ok. Bref, voilà, je mettrai encore le lien de sa chaîne en description dans cette vidéo pour que tu t'abonnes, voilà, parce que il a que 4 abonnés, sauf que lui, là maintenant, il a un HDP vert. Il aura bientôt sa télé. En gros, il aura tout ce qu'il faut, voilà. Bref, donc pour faire ce glitch, il faut aller sur ce bâtiment sans tomber du bâtiment comme j'ai fait il y a 15 minutes. Faut sans défoncer l'hélico aussi, si vous êtes capable de faire ça, voilà. Après, vous allez là. Quoi? Échec de la sauvegarde, tu te fous de ma gueule, toi. Et après, vous courez là. S'il veut bien courir, ce bâtard. Allez! Donc voilà, vous êtes rentré dedans le bâtiment. Et donc vous êtes invisible au radar. Vous êtes immortel. Mais vous voyez qu'on ne peut pas tuer les gens. Donc c'est ça qui est un peu chiant. Mais le principal, c'est que vous êtes invisible au radar et invisible par les. Et invisible pour les flics et tout. Donc je trouve c'est super. Donc voilà. Sur ce, si t'as aimé cette petite vidéo qui a duré pas très longtemps, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, tu peux liker, tu peux partager, tu peux commenter. Et voilà. Donc je vous laisse sur ça et ciao ciao tout le monde.